Salut les mecs, je vais vous parler d'un film culte les amis, Le Flic de Beverly Hills. Le Flic de Beverly Hills est un film de 1985. On y voit Axel Foley, interprété par Eddie Murphy, un flic un peu rebelle à la marge des règles, dans la ville de Détroit, une ville populaire aux États-Unis. Un soir, son meilleur pote se fait descendre alors qu'il était avec lui. Il va mener son enquête qui va le diriger tout droit vers la grande ville de Beverly Hills, une ville plutôt riche, et grâce à son audace, il va faire alliance avec des inspecteurs sur place. On va donc suivre l'histoire de ce flic et ses péripéties pour arriver à découvrir le tueur de son pote dans un milieu hostile pour lui qui vient des classes populaires. Pour moi, à l'époque, Eddie Murphy était sans doute l'un des meilleurs acteurs du moment, du talent, de la simplicité, de l'humour, avec un rire très contagieux. Et il n'y en avait pas beaucoup comme lui à l'époque. C'est une grande aventure policière sous fond de comédie très drôle que je vous recommande de regarder avec vos adolescents. Et en plus, si ça leur plaît, il existe plusieurs suites qui pourraient également les séduire. Salut les mecs ! Eddie Murphy est le flic de Beverly Hills.